Alors, je m'appelle donc Caroline Vanier, je suis conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de Laurent Grin. J'habite à Chaumont et voilà, je suis à la mission locale depuis 2015. Alors, mon meilleur souvenir, je pense comme ça spontanément au premier déplacement que j'avais organisé à Paris avec un groupe de jeunes de la mission locale pour aller visiter l'Assemblée nationale. Donc on avait proposé cette action citoyenne et qui avait été acceptée par la direction à l'époque. Et ça a été vraiment un super bonheur de partir avec ce groupe de jeunes sur la journée. J'étais accompagnée de Sylvain. Et ce qui était merveilleux, c'était de voir aussi justement l'émerveillement de certains jeunes qui arrivaient à Paris pour la première fois de leur vie, de leur existence, qui découvraient cette grande ville. Et qui prenait le métro pour la première fois. Donc nous étions obligés de redoubler de vigilance parce qu'il ne fallait pas en perdre des jeunes dans le métro. Et ça a été le cas d'ailleurs. On a un jeune qui a oublié de monter dans le métro, mais qu'on a retrouvé heureusement la station d'après. De partager cette journée avec eux, de leur faire découvrir l'Assemblée nationale. Et c'est l'endroit où se votent les lois. Et c'est important que les jeunes connaissent ce lieu et puissent comprendre comment ça fonctionne. Et la suite, on a pu rencontrer justement quelques semaines après, la députée du secteur, Bérangère Abba, qui est venue justement clôturer cette action citoyenne en venant dialoguer avec les jeunes, en ayant un temps d'échange avec les jeunes et en leur permettant justement de poser des questions et d'être dans un échange avec elles en toute simplicité. Bienveillance. Alors, il y a 40 ans, j'étais ado, ouais déjà, j'étais à l'école, j'étais au collège, donc j'habitais à l'époque dans l'Yonne, à Sens. Comment je vois les missions locales dans 40 ans? Je les vois pas. Je crains qu'elles soient absorbées par d'autres structures si elles ne se défendent pas davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu en déficit de communication. Et alors que la mission locale, c'est un outil formidable. C'est la seule structure qui propose un accompagnement global à des jeunes qui sont sans solution, qui sortent du système scolaire, qui ont besoin d'être accompagnés, d'être dans un espace bienveillant et d'être soutenu. Et on est la seule structure en France qui propose ça aujourd'hui pour ces jeunes-là. Et je crains que dans 40 ans, on n'en soit plus là.